Eh bien bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fringui. Aujourd'hui on est sur Naval Action et on va voir une petite bataille en PVP avec les collègues de la team. Écoutez, on perd pas de temps et on y va tout de suite en suivant la carotte. Allez! Chaîner, chaîner. Je vais les baser, j'arrive. L'aide de faire ça nous permet de remonter. Alors lui. Il répare plus. Est-ce que tu répares encore? Ouais, je répare encore. Par contre, il a réparé super vite, hein. C'est impressionnant. Hein. Ouais, il va avoir un osant, Carpenter ou une connerie comme ça. Un survival skill. Ah, peut-être Rigging spécialiste aussi. Ouais, toi tu répares plus par contre. Ouais, moi c'est pareil. Ouais, par contre, il a réparé beaucoup plus que moi. Ouais, mais maintenant il y a le bien. Petit père Charles qui est juste là. Je le touche là. Moi à chaque fois maintenant. Et bientôt il y aura Bois Bandé aussi. Ok, je crois que je vais quand même toujours plus vite que lui donc. C'est quoi ta vitesse là? Je réaccélère là, mais je suis à 12,8. Ok, je suis à 12,8. 12,9 là donc je continue de monter un petit peu. Moi je vais essayer de mettre de la charge en boulet à l'avant, on va voir ce que ça donne. Ah ça y est, je mets les sails et je le vois là, jumelle. Bah alors mon gadjo, se passe. Pourquoi t'as pas toutes tes voiles, Baptiste? Moi, je me suis mis en battle là, sinon je le dépasse et comme ça je reste derrière lui. Et là il va galérer pour me faire les. Ah, il y a Longsou qui remonte avec sa petite pirate frégate fringante là. Je vais pas tarder à le faire. Fringante pirate. Ça, t'as pas du tout la portée là. Alonso? Ouais, même avec la charge, j'ai vu. Ouais. Bah, tu as demandé à me voir. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je me fous, t'as demandé à me voir. Qui est-ce qui me parle? Je pilote. Oui, j'ai ta pirate frégate qui est prête à FR pour toi après la bataille. Ok, bah j'y suis. Tout à l'heure. Et oh, faites attention avec vos boulets. Là, je suis en bataille. Pas de problème. Je reçois des boulets juste à droite, juste à gauche. Une grosse erreur du joueur danois. Il remonte dessus. C'est bon, tu as repris le cap sur lui en rapport au voile. Ouais, ouais, je sais. T'as combien de minutes avant de réparer? 4 minutes 50. Ok, donc on va dire 4 minutes 30 pour le monsieur. Bon, je vais être à sa hauteur. Qui nous amène le timer à peu près à 7 minutes. 7 minutes et 30 secondes. Donc 1h07:30. Et là je suis en 11-3 de 11. C'est bien que je la touche aussi moi.
Je suis à 11-4 et je le rattrape. Je vais faire un truc, je vais le doubler, me mettre derrière, devant avec les canons de... De cul, ouais. Si tu peux le doubler. Ouais. Bon, faites juste gaffe s'il est en boulet sur la. Sur ouais, la gauche, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous me sauverez. Ah, j'ai jamais promis ça, moi. Putain, mais en fait, je suis plus en vous. Ouais, c'est pas vraiment une. Les canons de 4, franchement, c'est du luxe. Hein. Tu tires une telle cadence à côté des siens, c'est. Et tout mis à l'abeille. Attention, Charles. Tout mis à l'abeille. Mais t'as vu, il m'en veut, hein. Pourtant, je suis gentil avec lui, hein. Je suis le plus petit, moi. Ouais, mais t'es le plus méchant. T'es le plus teigneux. T'es le Joe Dalton de la bande. Ouais, exactement. Petit mais teigneux. Petit ouais, mais costaud. Mais je le touche avec mes petites bordées là. Du c'est petit canon. Il l'appelle de ceinture aussi. C'est les voiles deuxième et troisième section qu'il faut que tu tires, Baptiste, maintenant. Les voiles première section, elles sont bien endommagées déjà. Ouais, 67%, il est cuit. Dans 2 minutes, il peut réparer à peu près. Qu'est-ce qu'il me tire dessus? Bah, faudrait lui tirer les boulets là pour péter les mâts. C'est ce que je vais faire. Je me mets en position, je mets encore une bordée de chaînes sur de la chasse. Juste. C'est bon. Ça te dit de faire un pickle, un cutter et un prevector là? Non. On a évité la catastrophe. D'accord. Je vous le rabats sur le. Reste la au cap 0. Là, regarde, il est en train de tourner pour pas se prendre la bordée là. Et j'accélère. Oh! J'ai touché avec mes boules de charge. Bon, j'ai bien touché le mât arrière. Aïe aïe aïe. Il y a les chaînes qui partent. J'ai bien touché le mât arrière, mais comme j'étais en double, je sais pas si en chaise ça fera plus de dégâts, mais. Apparemment, c'est pour passer. Qu'il a pas beaucoup de manœuvres le monsieur là, je vais lui faire les. Allez, 7 voiles encore. Attention. Excusez-moi si je vous tire dans les voiles, mais vous êtes totalement à côté que je. Ouais, manque de portée. Prochain coup, ça sera la bonne. Tapez au boulet, les gars là. Ouais, je tape au boulet. Moi, sur je mettez au boulet, moi je reste aux chaînes, hein, de toute manière. Essayez de le démater, tirez haut. Putain, son barrière est solide. Donc ça, là, je pense que tu devrais tourner à gauche un peu, voilà. Le barrière ouais. Au milieu, la section où il y a la vigie, bien endommagé. Ouais, c'est pas mon meilleur vent, là, je perds un nœud. Là. Ouais. Et 61% de voile. Tu continues ton cap tout à l'heure et ouais. Tu verras, tu le rattraper, tu peux déborder. Là, c'est de la dentelle du volet, là. C'est voile. On le coule ou on le capture? Non, on coule. On le coule. Cool. Ah, okay. Non, pitié, non pitié, non pitié. Là, le type, il s'est fait tout à l'heure. De toute façon, ils font un coup d'œil. Donc. Il doit être fier. Hein. Demandez-lui. Couchez, c'est bien. Je me rapproche un peu, je suis trop loin. Je suis trop loin. Pep, l'ami. Tu m'excuseras, mais on va te garder près de nous pendant un petit moment encore. Son bois. Non. 58% de bois, messieurs. Ouais, bois.
ouais, ça peut être vite fait, hein, si tu te mets en bord à bord, tu vas te le faire vite fait. Reload choc. J'arrive. Je tourne au 300 pour me rapprocher un peu. Tourne à tribord. Après, je tourne. Attention, je suis en manie. Ouais. Ah, pas de soucis, je tourne à fond. Non, non, mais ça y est, je... Je peux m'arrêter, continue. Fou ? Ouais ? T'as vu mon MP ? Il répare. Voilà. Quoi ? Mon MP, je t'ai envoyé un MP. Non ? Ah non, bizarre. Ah si, il répare les vols. Désolé, bon. Non, il veut essayer de lancer un abordage. Oui, bah, t'as plus d'équipage que lui, non? Ouais, bah, je vais pas le laisser quand même. De rushoir. Ouais, c'est pas grave. Pour une fois que c'est pas moi. Oh, j'aurais même pas pu lui tirer dessus quoi. Moi non plus. Il est bien entouré. Okay. Hein. Entre Karl et bois. Attention rushoir qu'on se percute pas. Ah, j'ai détaillé. Ah. C'est bon, je vais taguer. Ouais, je vois ça. Attention, mon frère. Ah. Tu régupes les bateaux ? Quoi ? Tu récupères les bateaux ? Bravo, GG. Bien joué. Bien vu. Tu vas looter, Charlemagne ? Tu vas looter, Charlemagne ? Ah, non, c'est bon, c'est looté. Tu l'as looté, quoi, c'est bon ? 50 L Repair, 440 ROM, 117 Rig Repair, pardon, 50 L Repair et 447 ROM. Ah bah du ROM, c'est bien ça. Allez, on me dit comment on sort. On sort. Et c'est le cap. Allez, je sors, ouais. Direction. Est, et on va voir où on va tomber. Est, un tic à droite. Allez, ouais, pardon. Est, un tic à gauche. Et ben voilà, les amis, cet épisode se termine sur cette jolie victoire de Monsieur Bois avec une tête en plus. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Merci beaucoup. Merci pour Framigui et merci pour moi-même. Encore une fois. Et faites pas les fous, les amis. Et à la prochaine. Et puis tchou. Allez, salut.